Hop, joue. Non, allez là. Attends, hop là. En tout cas, je suis parti en Russie défier les Russes. Putain, les Algériens, toujours eux. Je suis parti en Russie défier les Russes. C'était bon ou pas? Franchement, pas mal. Mais c'est mieux l'Algérie. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Suffit, oui. Il est fou, lui. Mais en tout cas, si tu veux, on se donne rendez-vous en Coupe du Monde. On va en Russie. Comment je kifferais faire un défi avec toi en Russie? On se donne rendez-vous là-bas? Salut les youtubeurs, c'est Coach-Yann, ça va ou quoi? Vous vous rappelez la dernière fois dans le dernier temps de ta chance? Il y a un gars, il m'a dit moi aussi je veux gagner des cadeaux. Aujourd'hui, on lui donne sa chance. C'est parti. Moi je suis méga chaud pour t'affronter. Parce que ce qui se passe, c'est dans la tête le plus important. Mec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le rap français et le rap russe. Les rappeurs là-bas, ils ont des voitures qui coûtent 10 voire 20 fois plus cher que ça. Ce genre de véhicule. Timothy в здании. Люди ждут скандала. Я как камурский тигр, таких осталось мало. Donc on va plutôt parler des 10,5 différents types de personnes sur Insta Story. Les mecs qui repostent les snaps. On le connaît tous ce mec. Il filme ses stories sur Snap et après il repose sur Insta. Avec un train normal en Russie, il met environ 9 heures pour faire Saint-Pétersbourg-Moscou et une semaine pour faire Moscou-Vladivostok. Daniel, cool ou quoi? Tranquille, cool. Ça se passe? Bien. Bon, tu m'as demandé les cadeaux? Ouais, tu m'as promis des cadeaux. Ok, bah c'est à toi de jouer maintenant. T'as 3 épreuves. Ok. Crossbar, freestyle, pana. Ça va. Déjà, t'as 3 cadeaux, casquette, okay, t-shirt, ballon. Ok. Pour tes abonnés. D'accord. Tu dois relever le défi. Le premier challenge, c'est le crossbar challenge. N'espérez pas trop, je vous dis juste, mais il y aura des surprises, je pense. Je me connais, quand je suis en galère, il y a des trucs de génie qui se passent. Ok, j'espère voir ça. Crossbar challenge, c'est parti. Daniel, ouais. Une minute pour mettre une crossbar et tu gagnes le cadeau. Ok. C'est bon? Une seule? Ouais. Attends. Trop tard. Attends, je vais pas dire, c'est parti. 3, 2, 1, go. Oulala. Il a cassé la casquette direct. Plus important, il faut pas réfléchir. J'ai un peu touché en revenant. Ça ne tombe pas. Trop de puissance. Non. Pas assez de puissance. Non. Pas du tout. Combien de secondes? 30 secondes. 13. La hauteur était bien. Je prends avec un truc à chaque tir. Dernier shoot. Sur le buzzer. Il a touché un bon. On verra en ralenti, moi je l'ai vu passer un tout petit peu au-dessus. Moi franchement, en regardant les ralentis, après, elle passe au-dessus. Après si t'es un frère, toi tu t'as un frère. Ok vas-y. Un frère, tu vois. Tu me payes combien? Un ballon que je viens de gagner, je te le re-offre. Allez, on la valide. Le ballon est validé, on passe au deuxième challenge qui est le freestyle challenge. Il est mort. Ok, on passe tout de suite au deuxième challenge. Le deuxième challenge, ça va être très simple, c'est le tour du monde. Ok. Le tour du monde, tu peux le faire comme ça, mais comme j'ai vu comment tu jouais, tu peux aussi le faire comme ça. Ok. Ok, d'un pied à l'autre. Voilà, c'est toi qui choisis. Ok, d'accord. Ok, c'est très simple. Je suis chaud. T'as une minute pareil. Des adducteurs et tout. T'as vu les échauffements, mec. Putain, le mec. Le grand écart. Ah non. Oh, sa mère. Vas-y, tiens, okay. Il est chaud. Boum. 3, 2, 1, go. Pas de panique. Fais comment la maison. Oh, oh là, c'est validé. 9 secondes. Deuxième. Ah, tu veux faire un deuxième? Il veut faire un deuxième. Ah. Non, celui-là, il n'est pas validé. 9 secondes. Là, t'as battu le record, là. Ah ouais? Non, Momo il a fait 3 secondes la dernière fois. Ouais, mais Momo il est chaud. En fait, on est pareil, on est assez rapide avec Momo. Ouais, c'est votre style. Ouais. J'ai remarqué. Donc, on va voir si vous êtes très rapide parce qu'on va passer au troisième challenge. Ok. Qui est le Pana Challenge. On m'a dit que c'est le plus simple. Ouais, Momo il m'a dit c'est celui-là où tu t'amuses. Exact. Colonie de vacances. Voilà, exactement. Donc, Pana Challenge, très simple.
Y'a quoi? Ok. Y'a quoi? Le Panathinaïkos, c'est très simple. Tu vas essayer de me prendre la balle 3 fois en 1 okay. minute. Pas de violence, pas de... Si tu me mets un geste technique, un petit pont, un grand pont, tu gagnes un truc en plus. Ok. Ok. Peut-être je vais faire des gestes techniques, je vais peut-être s'en faire exprès. Ok, on verra. Vas-y. 3, 2, 1, go. Non, allez, là. Hop là! Attention! Ok, il a récupéré une fois! Une fois! Il a récupéré une fois! Une fois! Oula! Il a récupéré deux fois! Deux récupérations! Allez, tu vas. C'est bon, 3. Allez, 10 secondes. Il reste 10 secondes. Pour le pantalon, c'est pas trop sympa. C'est parce que tu l'as. Non, il s'est pas descendu jusqu'en bas. Ouais, j'avoue. Ok. Non, mais en fait, Daniel, déjà, ouais. Premièrement, t'as relevé le défi. Ouais. Mais pourquoi t'as sèché ton pantalon là? Ouais, parce que je sais pas, on sait jamais comment ça va se terminer. Non, parce qu'en fait, quand t'as enlevé ton pantalon, tu m'as donné des envies, moi je suis habitué à ça. D'accord, ok. T'étais pas au courant? Non, je sais jamais faire, Ok, j'étais obligé. Et la youtubeur, tu me pardonnes, Daniel, ça va, tranquille. Plaisir, frérot, toi, fais-moi, enlève-moi ce que tu veux. Ouh, ce genre de message subliminal. Donc, Daniel, t'as relevé les 3 défis. Ouais. Ça veut dire que techniquement, t'as gagné un ballon, une casquette. Et un t-shirt pour tes abonnés. T'es chaud? Je suis chaud, ouf. Eh franchement, les gars. Putain, les gars, pour vous, je sais pas, c'est vous qui m'avez inspiré. Je me suis fait posséder par des abonnés. Là, franchement, t'as géré. J'ai kiffé. Ça a été bon. On avoue que le premier défi, il était un peu bancal. On va pas dire le contraire. Mais bon, voilà. T'as gagné les 3 défis. Daniel, ouais. Les impressions? Franchement, un peu fatigant, un peu mal aux adducteurs. Tu fais tes chaud quand même. Mec, je me suis étonné, je suis pas souple comme ça, c'est le sol qui est glissant. Ouais, mais je sais pas, il a fait un grand écart de type. Je ne tenterai pas ce genre de choses. En tout cas, merci. Les abonnés de Daniel pour gagner, très simplement, Daniel va mettre sur ses réseaux sociaux un genre de hashtag, un message secret que vous devrez mettre dans ces commentaires-là. Et moi, en fait, je vais tirer au sort celui que je préfère. Bien sûr, pour gagner le cadeau, il faut quand même liker la vidéo, t'abonner à la chaîne comme d'hab. Allez checker la chaîne de Daniel, de la YouTubeur, parce qu'il y a pas mal de contenu sur sa chaîne qui déchire. Franchement, ça fait grave galerie. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Dieu.